Bonjour, on va donc commencer cette 11e matinale de l'IFRIS. Je suis très heureux donc d'avoir ici la présentation du livre de Soraya Boudia et Emmanuel Henry, tous les deux présents, ce qui me fait très plaisir. Je vous remercie d'être venus, de nous faire une brève présentation de votre ouvrage et des enjeux de l'ouvrage, et deux commentaristes, un spécialiste des risques, puisque c'est son métier de les évaluer, non ? C'est pas ça ? Et quelqu'un qui est un spécialiste des connaissances, de la constitution des connaissances en l'histoire, qui est Dominique Peste, donc monsieur... nous qui serons nos deux commentateurs du livre. Je voudrais signaler l'importance qu'a cet ouvrage pour notre institut, pour l'IFRIS, autour de trois dimensions qui, à mon avis, sont tout à fait essentielles. La première, c'est la création de cette métrique autour des risques qui s'est constituée progressivement dans les dernières 50 années, on va dire, voilà. Sa diffusion au niveau international et surtout la troisième dimension qui, à mon avis, est celle qui est la plus importante parce qu'elle nous rassemble tous, politologues, sociologues, historiens, mais aussi spécialistes des disciplines, des risques, des chimistes, des biologistes et autres spécialistes, qui est cette création d'une infrastructure de la connaissance autour des objets matériels qui sont des objets qui présentent des risques et qui sont évalués. Et cette dimension d'une infrastructure matérielle autour de laquelle s'organisent des pratiques scientifiques, des pratiques non seulement de production des connaissances, mais aussi de discussion et de négociation des connaissances, me semble tout à fait essentielle et au centre du projet de l'IFRIS. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais donner la parole au présentateur et je vous remercie de votre présence. Oui, donc bonjour à tous, merci de l'invitation, merci de la possibilité de présenter cet ouvrage là, lors d'une matinale de l'IFRIS. Donc on va présenter tout d'abord, Soraya et moi, le projet de l'ouvrage. Donc moi je vais revenir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette écriture à plusieurs mains. Parce que c'est vrai que la globalisation, la mondialisation est souvent appréhendée justement sous des termes économiques, avec une accélération des échanges économiques, financiers, des échanges de marchandises. Et en même temps, il nous semble que il y avait une facette qui était moins explorée de cette globalisation, de cette mondialisation, ce qu'on pourrait appeler un peu cet envers de la mondialisation, c'est justement cette mondialisation, cette globalisation des risques sanitaires et environnementaux qui constituent un peu la face moins visible, la face parfois masquée justement du déploiement de ces activités économiques à l'échelle de la planète. Alors, masqués, ignorés, en même temps on a quand même des catastrophes qui nous rappellent assez régulièrement qu'on est dans une société où les risques sont mondialisés. Je rappelle Tchernobyl, plus récemment Fukushima, ou des épisodes épidémiques comme Ebola, mais aussi on voit bien qu'on est face à des risques plus discret, plus sous-jacent, même si ce matin la Libération fait sa une sur les risques liés aux perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui est effet carcinogène, effet mutagène, effet reprotoxique des polluants chimiques, on voit bien que là encore on est sur des problèmes qu'on a du mal et en tout cas qui sont difficilement cantonnables à des frontières nationales. Alors, cette mondialisation, elle tient à la fois aux problèmes eux-mêmes, que ce soit les problématiques liées au climat, mais elle tient aussi à la fois aux solutions qui leur sont apportées, qui sont de plus en plus, qui prennent de plus en plus une dimension transnationale, mais aussi aux mobilisations auxquelles elles donnent lieu à travers des ONG qui, bien souvent, justement, ne se limitent pas à des frontières nationales. En même temps, quand on lit les réflexions autour de ces questions-là, on avait l'impression, justement, Soraya et moi, et les différents auteurs qu'on a rassemblés autour de cet ouvrage, que ce mouvement, il était plus constaté que réellement problématisé, que réellement interrogé. Il paraissait comme s'imposer de l'extérieur, et d'une certaine manière, il
il conduisait à lui apporter un certain nombre de réponses. Mais en tout cas, la façon dont cette question-là ou ces questions-là étaient problématisées d'un point de vue des sciences sociales nous semblait insuffisante. Et c'est un petit peu en rupture avec ce type d'analyse un peu fonctionnaliste des risques qui seraient de fait internationalisés et qui conduiraient à une réponse internationale qu'on a voulu lancer justement ce programme collectif de recherche. Alors, c'est un travail collectif qui... donc, c'est pas simplement cet ouvrage, c'est pas simplement une juxtaposition d'études de cas. On s'est vu à plusieurs reprises l'ensemble des auteurs pour travailler ensemble et réfléchir collectivement autour de ces questions, avec la volonté d'avoir une approche pluridisciplinaire. Donc on s'est retrouvé avec des historiens, des sociologues, des politistes, des anthropologues et des spécialistes des science studies, de la sociologie et de l'histoire des sciences. Alors, ce qui nous a rassemblés, ça a été trois partis pris dans la façon d'appréhender ces questions. Donc, le premier parti pris que j'ai un tout petit peu évoqué, c'est la mise en œuvre d'une réelle pluridisciplinarité qui ne conduise pas simplement à juxtaposer des approches disciplinaires. L'idée, ça a été de mettre en commun des boîtes à outils issues de différentes disciplines, des boîtes à outils différentes, mais pour interroger les mêmes processus, c'est-à-dire comment est-ce que du point de vue de l'histoire, de l'anthropologie, de la science politique, on interroge les modalités de construction des problèmes globaux, la montée en puissance de l'expertise scientifique dans un certain nombre d'institutions internationales, comment est-ce qu'on interroge les outils de régulation des risques, comment est-ce qu'on analyse les mécanismes de circulation internationale des risques et des dispositifs pour tenter de les encadrer, etc. Donc, se poser des questions similaires, mais à partir de traditions disciplinaires différentes. Donc, ça a été notre premier engagement au cours de ce travail collectif. Le deuxième a été de s'appuyer, c'était aussi un des constats des manques dans certaines littératures, notamment en sciences politiques. Le deuxième parti pris, ça a été de s'appuyer sur des enquêtes empiriques précises qui permettent de mettre en lumière, dans chacun des cas analysés, les spécificité des différentes dimensions analysées, les temporalités spécifiques, la spatialisation aussi à chaque fois différente, mettre en évidence la multiplicité des enjeux et des stratégies, en prenant en compte, et c'était un fil directeur qu'on a eu dans un certain nombre de communications, en prenant en compte à la fois les mécanismes les plus visibles, les plus centraux, mais aussi des rapports de force, des conflits qui pouvaient se dérouler dans des arènes, dans des espaces plus discrets. On voulait s'intéresser aussi à des processus de transnationalisation oubliés, disparus, ou mis au placard car ils avaient perdu dans des rapports de force entre différents programmes de mondialisation qui s'étaient opposés les uns avec les autres. Donc, prendre en compte l'ensemble des acteurs et des types de transnationalisation qui peuvent être observés à un moment donné. Et le troisième parti pris, ça a été de déployer l'analyse sur la longue durée, c'est-à-dire qu'on a des contributions qui couvrent de la fin du 19e siècle jusqu'à la période la plus contemporaine, en faisant jouer justement dans différentes contributions des temporalités plus ou moins longues. La première raison pour laquelle on a voulu avoir une approche historique, c'était que elle permettait de mettre en évidence justement les différentes temporalités qu'on pouvait observer, qui n'étaient pas les mêmes dans la gestion post-accidentelle, dans la gestion des risques sanitaires ou dans la gestion des risques environnementaux. Et puis la deuxième raison, c'était la conviction que une approche historique pouvait nous
nous permettre de mieux interroger justement ces affirmations sur la radicale nouveauté de la mondialisation des risques qu'on connaîtrait dans la période contemporaine. Justement, cette mise en histoire du risque permet justement de réinterroger de façon différente la période contemporaine. Donc, je vais laisser Soraya présenter un petit peu les principales scansions du livre maintenant. Merci. Alors, je parle avec les mains, c'est toujours difficile de tenir un micro en même temps. Donc, ce que je vais faire, je vais très brièvement présenter quelques résultats que nous avons mis en avant dans le livre et peut-être terminer par, je ne dirais pas les limites, parce que je laisse la parole notamment après à Dominique, qui, je suis sûre, ne manquera pas de souligner les limites et à juste titre hein, de l'ouvrage, mais ce qui a été, nous, notre bilan à la fin de l'ouvrage. Alors, le livre est organisé en trois grandes parties. Ces parties sont issues des discussions et des échanges que nous avons eus dans le groupe qui a eu le plaisir, je dirais, de travailler ensemble. La première partie s'intitule « Construire le global ». Elle est centrée sur les dynamiques de constitution des institutions, parce que c'est beaucoup autour des institutions de régulation internationale, où nous avons essayé justement de dégager sur la longue durée quelques-unes de ces dynamiques. Mais d'emblée, nous avons voulu commencer l'ouvrage par un cas un peu emblématique, qui est celui de la grippe, pour montrer justement que les risques environnementaux, les risques sanitaires et environnementaux ne s'imposent jamais comme allant de soi à une échelle globale, qui est une idée qu'on retrouve souvent dans le discours des acteurs. L'ampleur des problèmes, l'ampleur des effets imposerait ces problèmes aux institutions internationales. Et ce cas, qui est celui de la grippe dans la longue durée, qui a été étudié par Anne Rasmussen, qui est dans la salle, et qui pourrait revenir sur ce cas, montre, à partir de l'analyse de deux épisodes de pandémie grippale, qui sont celles de 1918, la grippe espagnole, comment, malgré l'ampleur notamment de la catastrophe de la grippe espagnole, 30 ans après la grippe espagnole, alors que la question a été posée dans des instances internationales, cette maladie ne fait pas l'objet d'une préoccupation et d'une prise en charge d'institutions à l'échelle internationale. Donc vraiment, c'est-à-dire d'emblée, nous avons posé ce cas pour ensuite essayer de voir quelles sont les dynamiques qui concourent le plus, en tout cas celles que nous avons observées à partir des cas que nous avions étudiés. Et je vais en citer quelques-unes de manière très très succincte. Une des premières dynamiques, et je ne dirais pas que c'est la plus importante, parce que toutes ces dynamiques s'hybrident entre elles, convergent, divergent parfois, mais une dynamique importante est la question de la construction des marchés et du contrôle de la circulation des marchandises. Donc, et ceci, c'est vraiment la question des flux de marchandises, des populations autour du travail, etc., dès le 19e siècle, participe largement à la création de normes, à la création de certifications à travers des organisations internationales. On le voit d'abord, pas forcément sur les risques, plutôt sur des questions techniques comme les normes électriques ou sur les produits chimiques, mais sur les risques, c'est régulièrement, et on va le voir à travers les cas qu'on a étudiés, une dynamique extrêmement importante. Et le texte de Nathalie Jasse dans l'ouvrage qui est consacré aux additifs alimentaires et aux contaminants alimentaires montre à quel point cette question fait l'objet d'une structuration internationale, mais qui intègre très fortement la question du marché, et que même l'idée de la protection de la santé reste en quelque sorte sous-jacente simplement à la question de la construction des marchés. Une deuxième dynamique importante que nous avons soulignée et qui a été pas mal étudiée en réalité dans la littérature, qui est celle du rôle des mouvements de contestation dans la constitution, dans la prise en compte d'un certain nombre de problèmes. Et on pense en particulier à la fin des années 60 et les années 70, où toute une série
d'organisations internationales en charge des problèmes d'environnement ou de risques sanitaires environnementaux se sont constituées à cette période. Et c'est ce que j'ai moi-même étudié dans l'ouvrage. Mais d'emblée, je dirais là aussi, j'ai essayé de battre en brèche l'idée que c'est simplement les mouvements de contestation à eux seuls qui peuvent être porteurs de ces institutions. En réalité, il y a des croisements avec d'autres préoccupations. Et dans le cas, justement, du régime environnemental global, on peut voir une autre dynamique importante, qui est la troisième dynamique que je citerai ici, qui est celle des luttes géopolitiques et des transformations des régimes de relations internationales. Ce n'est pas simplement une explication méta, c'est-à-dire qui serait au-dessus de celle qui intégrerait l'explication par les mouvements sociaux, mais on a une convergence de préoccupations de différents ordres qui débouchent sur la constitution de régimes ou d'institutions internationales. Et dans ces années 70 en particulier, et ça reste aujourd'hui, je pense, quelque chose d'important dans les institutions internationales qui s'occupent des régulations des risques sanitaires environnementaux, la question des relations entre le Nord et le Sud est une question importante, et la question de la place respective, on pourrait dire, des grandes puissances, et notamment le rôle extrêmement important des États-Unis dans la structuration de ces régimes internationaux. Enfin, une autre dynamique que nous avons dégagée à partir des cas que nous avions étudiés est celle qui correspond, je dirais, aux logiques professionnelles. Avec le temps, on a la constitution, l'institutionnalisation d'un ensemble de pratiques professionnelles liées à l'analyse, à la gestion du risque, avec des groupes de plus en plus importants qui se sont constitués et qui, du coup, sont extrêmement actifs à l'échelle internationale, comme à l'échelle nationale, pour faire exister ces problèmes-là, parce que c'est aussi ce qui est leur corps de spécialité. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça contribue à créer des comités, à faire vivre des comités, etc. Alors, ce sont là quelques dynamiques. On ne prétend absolument pas que nous avons vraiment inventorié. On n'a pas essayé forcément de le faire. C'était plutôt à partir des cas que nous étudions. Et ça vaudrait peut-être le coup, dans la discussion, de revenir sur d'autres dynamiques qui concourent à la mondialisation des risques. Alors, la deuxième partie pose un ensemble d'autres questions, qui est celle des conflits dans les transnationalisations. Et c'est là vraiment l'idée d'analyser les conflits, les compétitions entre différentes formes de transnationalisation était une idée que nous avions posée dès le début du projet, parce que ce qui nous intéressait en particulier au départ, c'était les relations entre internationalisation et européanisation. Nous étions à Strasbourg à l'époque, donc ça s'explique très largement. Et puis nous étions dans un laboratoire, dans l'une des spécialités importantes, était justement les politiques européennes. Et donc l'idée justement de mettre en commun des travaux qui sont d'une part sur les relations sur les institutions internationales et d'autre part des travaux qui sont sur le monde européen, plutôt les politiques publiques européennes. Ce sont deux mondes qui ne discutent pas beaucoup ensemble, et donc on voulait explorer à travers le cas des risques ce qu'il pouvait en être. Alors, dans le cas, on a plusieurs articles qui traitent de cette question, notamment l'article de Christian Bonnat qui s'intéresse à la construction d'une politique européenne de la santé, et dans les travaux sur les politiques publiques européenne, on voit bien sûr la santé est un problème qui a été pris en charge par l'Europe relativement récemment. Et en s'intéressant à la longue durée, le texte de Christian Bonnat montre qu'en réalité, au départ, il y a eu beaucoup de discussions sur la question de la santé. Et que la santé a été tout simplement évacuée des choix qui ont été faits dans la construction européenne à l'origine, c'est-à-dire que ça a été évacué au profit bien sûr de la coopération économique, comme vous le savez, ce qui pose la question même de ce qu'est ce type de construction. Je ne dirai pas plus sur cet aspect, on pourra y revenir. Nous avons dans cette partie également l'analyse d'autres formes
de conflits et de compétitions, notamment entre différents régimes de régulation. On sait, les gens qui travaillent sur les risques et les régulations, qu'il y a une superposition de régimes, qu'il y a des concurrences entre les institutions, etc. Et donc, comment analyser ces concurrences et ces superpositions de régimes ? C'est ce que plusieurs articles ont essayé de faire, notamment l'article de David Demortin qui est dans la salle et qui pourrait revenir plus en détail sur ce qu'il a apporté, en analysant la régulation transnationale des effets indésirables des médicaments. Il s'intéresse notamment à deux régimes de régulation, l'un promu par l'Organisation mondiale de la santé, basé plutôt sur l'expertise professionnelle et plutôt indépendant des industriels, et un autre porté par la Conférence internationale d'harmonisation, qui s'appuie sur les agences européennes et en collaboration avec les industriels. Et il essaye de comparer, mais je lui laisserai la parole tout à l'heure, peut-être pour en dire un peu plus, sur qu'est-ce qui permet finalement la réussite d'un régime plutôt qu'un autre, et notamment la place des acteurs industriels dans la construction de ces régimes. Toujours dans les compétitions, bien sûr, une des questions qui est revenue beaucoup, c'est les relations entre les échelles transnationales et les échelles nationales et locales. Et dans ce cadre-là, toujours sur la question des médicaments, parce qu'on a beaucoup dialogué aussi entre les textes, Niels Kessel, qui est également dans la salle, donc il pourra aussi revenir sur ce cas, s'est intéressé aux réappropriations d'instruments construit dans un pays, dans les pays scandinaves, promu ensuite par des instances internationales comme l'OMS et réapproprié dans d'autres pays comme l'Allemagne. Et il montre justement à quel point il faut des adaptations, comment ces instruments ne sont jamais transposés comme tels, mais viennent vraiment s'inscrire dans un contexte et voir se transforment en fonction des préoccupations nationales. Et cette idée, c'est également celle que met en avant Renaud Crespin dans son article autour de l'encadrement des tests de sida en prison, qui sont des tests qui ont circulé à l'échelle internationale, et ils montrent que là aussi, les impératifs nationaux jouent un rôle important dans la manière dont sont réappropriés les outils internationaux. Donc, enfin, la dernière partie, brièvement, est consacrée aux transformations des modes de gouvernement. C'est une question, bien sûr, qui nous préoccupe, qui est au cours d'un ensemble de travaux. Ça me permet de rappeler qu'un autre ouvrage est sorti l'année dernière déjà, novembre 2014, sur le gouvernement des technosciences, où certains auteurs se retrouvent dans les deux ouvrages. Et donc cette question justement de la manière dont on gouverne les problèmes est au cœur aussi de cet ouvrage, mais ici avec un angle qui est celui de voir quels sont les effets des transnationalisations sur les transformations des modes de gouvernement à l'échelle internationale, mais aussi aux échelles nationales. Et je ne vais pas passer, parce que je vois que l'heure passe, et surtout, je voudrais peut-être sur cette question-là, après, repasser la parole à Emmanuel Henry. Ce qu'on voit, c'est que ces formes de transnationalisation dans le temps en transférant c'est-à-dire les manières de faire, les manières de gouverner les problèmes vers des experts plus techniques et vers des instances avec un savoir technique, donne en quelque sorte un avantage aux industriels qui sont beaucoup plus familiers avec ce type d'outils et beaucoup plus familiers avec ce type d'espace, au détriment parfois des États nationaux qui soit n'ont pas toujours les moyens d'envoyer tous les experts qu'il faut ou de mobiliser une expertise suffisante, soit se retrouvent sur un terrain national et ne sont pas en mesure forcément de contester ce qui s'opère à l'échelle internationale. Et donc dans ce cadre, et je pense qu'on va y revenir, la question des valeurs limites dans la gestion des risques professionnels est une question absolument centrale parce que c'est le socle, c'est le socle de gestion de ce type de problème en santé en travail et qu'on va retrouver vraiment, c'est-à-dire c'est un
probablement un des domaines qui permet le mieux d'analyser ce type de transformation. Mais là aussi, comme l'article est rédigé par Emmanuel Henry et que Henri Bastos reviendra peut-être aussi sur cette question-là, je propose de la laisser pour la suite. Enfin, le livre se termine par un autre article qui est aussi sur la grippe. Nous avons commencé par la grippe et nous avons achevé le livre par la grippe. Autour de l'épisode plus récent, donc toujours pour tenir cette longue durée, un article de Claude Gibert qui explore les politiques nationales de gestion de la dernière pandémie de grippe pour montrer comment les luttes définitionnelles à l'échelle nationale joue un rôle extrêmement important dans les définitions des politiques nationales, malgré le cadrage international par l'OMS, malgré le fait qu'il y a une circulation très très forte avec les instances internationales. Alors, vraiment deux mots sur peut-être nos regrets dans cet ouvrage. Je crois que l'ouvrage, les discussions, nous sommes tous partis beaucoup de l'analyse des instances de régulation, avec l'idée plutôt de pointer l'importance des acteurs industriels, parce que nous travaillons sur les instances de régulation, et nous aurions aimé avoir plus de choses sur les acteurs industriels. Il y avait un article qui était prévu, qui n'a pas été achevé, celui de Sylvain Laurent, qui a sorti depuis un ouvrage sur le lobbying autour de Reach, d'où la discussion sur Reach par la suite. Et donc aujourd'hui, je pense que si nous devions réanalyser, c'est un livre qui a été achevé il y a 2 ans, hein, le temps de publication est long, cette dimension, c'est-à-dire le regard plus centré sur les industriels, je pense que nous l'adopterons plus facilement. La deuxième chose que nous n'avons pas réussi à résoudre du tout, c'est la question des relations avec le Sud. Quand je dis le Sud, c'est vraiment pour aller vite, mais nous aurions aimé avoir des collègues qui travaillent sur ces pays-là. Il pouvait y avoir des choses sur les médicaments, mais ce n'est pas ce que nous voulions. Et de fait, sur d'autres questions, nous nous sommes retrouvés, malgré les recherches, nous en sommes restés là. Enfin, l'ouvrage, comme nous l'avons indiqué, Emmanuel l'a indiqué au début, n'est pas un ouvrage théorique. Néanmoins, vous pourrez voir dans l'ouvrage des hésitations dans le vocabulaire entre mondialisation, globalisation, transnationalisation, et c'est quelque chose sur lequel nous sommes beaucoup revenus dans les discussions. Nous, autant que choix, nous aurions aimé prendre transnationalisation, mais c'est un mot qui n'est pas très joli pour à la fois les éditeurs, mais pas toujours très compris. Mais néanmoins, au-delà du vocabulaire, cette question de ce qu'est la mondialisation, la globalisation, la transnationalisation, d'un point de vue théorique, est une question qui se pose. Je vais en rester là et je vais passer la parole à Henri Bastos. Merci beaucoup. Alors moi aujourd'hui, je suis ici, merci de m'avoir invité à discuter un petit peu de Reach. J'ai un regard très technicien sur la chose, je ne vais pas forcément commenter le livre, mais en l'occurrence, l'expérience qu'on peut vivre dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, c'est un règlement qui vise à évaluer et à gérer les substances chimiques au niveau européen, peut éventuellement apporter un certain nombre d'informations ou qui pourraient mettre en perspective aussi des conclusions du livre ou des articles qui y sont référencés. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui sur Reach, voilà, c'est globalement, c'est une réglementation qui est pas arrivée par hasard. On n'était pas à l'année zéro au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement. On n'était pas à l'année zéro de la réglementation sur les substances chimiques. Elle a un historique d'un peu plus de 40-50 ans, qui démarre à la fin donc, des années 60, par la mise en place déjà de premières réglementations, qui sont déjà des réglementations qui se mettent en œuvre dans le cadre de la communauté européenne, sur l'Europe des 6, avec notamment la réglementation sur la classification et l'étiquetage pour repérer les dangers des substances chimiques, hein, sur les étiquettes en fait, des bidons de produits chimiques qu'on peut utiliser, qui sont a priori destinés à informer les consommateurs, mais surtout au départ les professionnels qui utilisent ces substances, des dangers encourus par la manipulation de ces produits chimiques. Et puis au fur et à mesure finalement
de l'évolution des connaissances et de la Constitution européenne, la Constitution de l'Europe, pardon, se développe un certain nombre de directives et de réglementations autour de la gestion des produits chimiques. Et donc, au final, ça fait plus de 40 ou 50 directives qui se superposent comme un millefeuille et qui, finalement, entraînent un certain nombre de lacunes du dispositif de gestion des produits chimiques. Et donc, à la fin des années 90, le constat de ces lacunes, du manque aussi d'informations sur les produits chimiques, dont on estime qu'ils sont à peu près 100 000 à être présents sur le marché, et que pour la plupart, on n'a quasiment pas d'informations sur les propriétés toxicologiques ou éco-toxicologiques de ces substances, fait qu'on réfléchit à la mise en œuvre d'une réglementation qui pourrait pallier à ces lacunes. Et c'est vient à l'esprit, et en tout cas dans les discussions, la réglementation REACH qui met 10 ans à accoucher au forceps. Et le but de ces réglementations, déjà dès l'origine, c'est quand même globalement de limiter les entraves à la libre circulation des marchandises, des biens et des marchandises. Ça, c'est vraiment une constante à la fois dans les directives, les premières directives sur l'évaluation et la gestion des produits chimiques, comme dans le cadre de REACH. Et bien entendu, c'est aussi de protéger la santé et l'environnement, et dans le cadre de REACH, de favoriser la compétitivité des entreprises européennes. Et donc, on a un certain nombre, on va dire, d'intérêts qui sont parfois divergents, qui viennent se télescoper, mais qui décrivent bien l'ambition du règlement. Donc, en 2007, le règlement entre en œuvre et il vise à évaluer les substances chimiques et à gérer les risques éventuels de ces produits chimiques. Et il permet de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs qui permettent aux États membres et à l'Agence européenne des produits chimiques, qui est créée justement en 2007 et qui est basée à Helsinki, de mettre en œuvre ce règlement. Alors, l'une des premières, on va dire, l'un des plus importants dispositifs de ce règlement, c'est qu'il renverse la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, dans le cadre des réglementations passées, c'était aux États membres de démontrer les risques pour les substances et éventuellement proposer des mesures de gestion. Là, en l'occurrence, il s'agit pour les industriels d'apporter des informations qui varient, enfin, dont l'exigence varie en fonction du tonnage. Plus finalement le tonnage est élevé et plus les exigences d'informations à fournir par les industriels qui produisent ou importent ces substances sera élevé. Et donc il concerne l'ensemble des substances qui vont être mises sur le marché à plus d'une tonne par an et par producteur ou importateur. Et donc c'est une procédure qui est obligatoire. S'il n'y a pas ces informations sur les substances chimiques qui sont apportées par l'industriel, il n'y aura pas de possibilité de mettre sur le marché donc ces substances. Et le principe aussi, c'est que les industriels qui produisent la même substance vont devoir se mettre d'accord pour produire ces informations, pour éviter d'utiliser des animaux, trop d'animaux pour produire les informations obligatoires, puisque c'est pour une même substance, si plusieurs industriels se mettent d'accord pour produire cette information, ça évitera justement qu'ils produisent les mêmes études. Et donc il y a aussi un objectif de protection de la santé animale derrière tout ça. Donc il y a un calendrier de mise en œuvre de cette procédure d'enregistrement qui est étalé entre 2010 et 2018, en fonction notamment des tonnages des substances, de leur dangerosité. C'est-à-dire que les premières substances qui ont été enregistrées sont celles qui ont été produites à plus de 1000 tonnes ou les plus dangereuses. Et puis progressivement, on aura l'enregistrement à l'horizon 2018 des dernières substances qui sont les substances qui sont produites à plus d'une tonne. Il y a plusieurs donc dispositifs, en plus de cet enregistrement obligatoire qui renverse la charge de la preuve des États membres vers les industriels, qui permettent aux États membres de s'assurer à la fois de la conformité des dossiers, mais également qui donnent des outils de gestion de ces risques chimiques qui pourraient présenter des risques pour la santé ou l'environnement. On a notamment la procédure d'évaluation des substances, qui est un outil qui est donné aux États membres pour leur permettre de demander des informations complémentaires à ce qui est déjà exigé dans les dossiers d'enregistrement,
Donc c'est un outil qui est à notre disposition, puisque la grande problématique lorsque les États membres avaient à évaluer les substances, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir des informations de la part des industriels. C'était très difficile, ça durait plusieurs années. Là, il y a une procédure d'évaluation qui permet, si on a identifié un doute, quand on analyse les informations qui sont contenues dans ces dossiers, on peut éventuellement donc demander des informations complémentaires. Encore une fois, c'est des informations qui permettent de lever un doute par rapport aux données qui existent déjà dans les dossiers. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui permettent après de gérer les risques de ces substances. Et en particulier, il y a une procédure phare qui a été créée avec le règlement REACH, c'est la procédure d'autorisation. Cette procédure d'autorisation, alors le nom est un peu trop trompeur, mais elle va permettre d'interdire la mise sur le marché des substances les plus dangereuses, ce qu'on appelle les substances les plus préoccupantes. L'objectif du législateur à l'origine, c'était de se dire qu'à terme, à moyen ou long terme, il fallait remplacer l'ensemble de ces substances les plus dangereuses, donc qui sont les cancérigènes, les mutagènes, les toxiques pour la reproduction, avérées ou probables pour l'homme. Il fallait les remplacer petit à petit et, on va dire, promouvoir la substitution de ces substances. Et donc, a été créée la procédure d'autorisation. Globalement, dès lors qu'on a identifié les substances les plus préoccupantes, il y a un processus de sélection et de mise en priorité de ces substances qui se fait au niveau européen, parce qu'elles sont, il y en a un certain nombre. Et donc, pour celles qui sont inscrites sur la liste des substances qui sont soumises à autorisation, l'industriel aura, on va dire, un temps pour préparer son dossier et soumettre une demande d'autorisation s'il veut continuer à utiliser cette substance. Et éventuellement, l'autorisation pourra lui être accordée de manière provisoire pour quelques années, le temps qu'il mette en place des moyens d'éliminer cette substance ou de la substituer par des substances moins dangereuses. Donc ça, c'est vraiment la procédure phare du règlement REACH, qui a un peu peiné à se mettre en œuvre dans les premières années, parce que, voilà, effectivement, ça bouleverse aussi, lorsqu'une substance est soumise à autorisation, ça bouleverse, on va dire, le contexte économique d'un certain nombre d'acteurs qui utilisent ou produisent ces substances. Et puis, le dernier outil dont j'aimerais parler, c'est un outil qui permet d'interdire des substances pour lesquelles on a identifié un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement, mais qui doit être géré au niveau communautaire. Donc, c'est vraiment un outil qui a une visée communautaire. Si le risque est limité, on va dire, à un pays ou deux, trois pays de la communauté européenne, ce ne sera pas forcément l'outil le plus adapté, et on demandera aux États membres qui ont la charge de démontrer, on va dire, le risque inacceptable pour la santé ou l'environnement dans le cadre de cette procédure, éventuellement déclencher d'autres types de dispositifs communautaires ou nationaux, et notamment des directives sectorielles qui pourraient gérer ces produits chimiques. Et donc cet outil de restriction, il permet donc de cibler un certain nombre d'usages pour lesquels ont été identifiés donc ces risques inacceptables. Et pour cela, il faut qu'on démontre premièrement le risque inacceptable, qu'on démontre que c'est un risque aussi communautaire, mais qu'on évalue les conséquences, l'impact socio-économique de la mesure de restriction que l'on va proposer. Et donc ça, c'est aussi une nouveauté dans le cadre du règlement REACH, puisque globalement, si on se réfère aux législations précédentes, on avait aussi la possibilité en tant qu'État membre de proposer des interdictions, mais elles étaient globalement fondées sur une démonstration d'un risque inacceptable, et l'étude d'impact était généralement réalisée par la Commission européenne après que l'État membre ait proposé les mesures de restriction appropriées. Voilà un petit peu très brossé de manière très très rapide l'ensemble des dispositifs qui sont mis en œuvre dans le cadre du règlement REACH et qui permettent aux États membres ou à l'Agence européenne des produits chimiques de mettre en œuvre, en tout cas de s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont sûrs pour la santé et l'environnement.
Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est aussi intéressant de parler des différents comités. Et ça, à la limite, je pourrais m'arrêter là aussi. Et puis, éventuellement, vous dire un peu quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les différents États membres pour conclure. Une sorte d'expérience un petit peu vraiment très, très, très rapidement brossée de cette mise en œuvre du règlement REACH par la France depuis quelques années. Donc, pour mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositifs, ont été créés au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques différents comités. Le comité d'évaluation des risques, dont l'objectif va être de donner un avis sur les risques pour la santé ou l'environnement dans le cadre des différents dispositifs de l'autorisation ou de restriction dont je vous ai parlé. Le comité d'analyse socio-économique, qui lui va rendre des avis sur l'impact socio-économique des propositions de restriction qui émanent des États membres ou des demandes d'autorisation qui sont déposées au niveau de l'Agence européenne par les industriels qui veulent continuer à utiliser des substances très préoccupantes. Et puis, il y a le comité des États membres, puisque globalement, au niveau de l'Agence européenne, et ça aussi, c'est une grande nouveauté dans les dispositifs des agences de sécurité sanitaire européennes, c'est que l'ECA, elle, a un pouvoir de décision sur un certain nombre de dispositifs, notamment de décision dans le cadre de l'évaluation, puisque lorsqu'on demande des informations supplémentaires à un industriel par rapport à ce qu'il a pu fournir dans son dossier, ça passe par le comité des États membres, qui est un comité technico-politique, puisqu'il y a une représentation des États membres, bien qu'il y ait un certain nombre de discussions techniques sur l'opportunité de demander des informations complémentaires aux industriels. Et puis, le comité des États membres va aussi se prononcer sur l'identification des substances très préoccupantes qui vont après finir dans la liste des substances qui sont soumises à autorisation. Et là aussi, c'est un dispositif technico-politique, on va dire, où vont se... vont avoir lieu un certain nombre de discussions d'ordre technique sur la priorisation des substances à mettre à l'autorisation, puisque c'est quand même... Il y a un enjeu fort à identifier des substances à l'autorisation, puisque c'est à terme une interdiction de la substance. Et donc, dans le processus de sélection des substances les plus prioritaires à inscrire à cette procédure d'autorisation, arrive le comité des États membres, qui, encore une fois, c'est là où on va trouver des représentants des États membres et ont lieu beaucoup de discussions techniques sur l'identification en tant que substance très préoccupante de la substance, mais aussi ont lieu un certain nombre de discussions d'ordre plus politique. Voilà un petit peu les deux types de décisions que va rendre l'ECA. Et puis, in fine, voilà, moi j'aimerais terminer un petit peu en disant que l'expérience qu'on a eue de cette mise en œuvre, hein, au bout de... Maintenant, ça fait presque 8 ans, 9 ans que le règlement a été mis en place, c'est qu'on a un petit peu toujours les mêmes conclusions, c'est qu'on a une problématique de ressources, puisque vous avez vu que l'ambition quand même du règlement, c'est à terme, en 2018, d'avoir 30 000 substances enregistrées, et donc on n'a pas les moyens de systématiquement aller contre-expertiser les dossiers des industriels. Ça se fait de manière soit aléatoire pour la complétude du dossier qui est faite par l'ECA, soit en allant rechercher un certain nombre d'indices dans les dossiers pour essayer d'identifier les substances qui pourraient présenter des risques. Il y a une complexité des différentes procédures à mettre en œuvre, puisque chacune de ces procédures peut être mise en œuvre indépendamment des autres, et donc a été mise en place une procédure un peu informelle que doivent suivre les États membres pour essayer d'identifier la meilleure procédure qui s'adapte à la question posée lorsqu'on s'intéresse à un dossier. Il y a aussi la complexité qui est liée à la langue de discussion au niveau européen, puisque c'est l'anglais, et donc dans le cadre de discussions complexes, techniques de négociations, il y a un certain nombre de pays qui sont plus ou moins favorisés, puisque c'est pas forcément notre langue maternelle. Il y a une complexité aussi technique et scientifique liée
au type de dossier, au type de discussion qu'on a. Et puis, il y a aussi de plus en plus des questions juridiques, puisque vous avez vu que dans le cadre de cette agence se discutent aussi des décisions. Et qui dit décision, dit aussi procédure administrative derrière de contestation hein, par les industriels, de contestation du bien fondé de la demande qui va leur être faite. Et donc là, en ce moment, il y a un certain nombre de substances qui ont été évaluées par la France qui font l'objet de recours administratif auprès de l'Agence européenne des produits chimiques parce qu'ils contestent les demandes d'informations qui émanent de nos conclusions. Et puis, ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est qu'il y a REACH, oui, mais il y a aussi un certain nombre d'autres réglementations sectorielles qui continuent de s'appliquer, mais qui peuvent concerner les mêmes substances. Il va y avoir des produits biocides, les pesticides, les cosmétiques, les substances chimiques qu'on trouve dans les jouets, les dispositifs médicaux. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'autres dispositifs. La réglementation sur l'évaluation des substances chimiques dans un cadre dans l'utilisation professionnelle, donc les directives d'agents chimiques dangereux ou la directive CMR qui s'adresse aux professionnels et qui ont mis en place tout le dispositif des VLEP. Donc voilà, il y a un certain nombre de télescopages, on va dire, réglementaires et administratifs qui rendent aussi la chose un peu complexe. Voilà ce que je pouvais dire, moi, sur REACH. Peut-être qu'après, c'est aussi dans le cadre de la discussion que je pourrais développer un petit peu plus et répondre à des questions que moi, je ne me suis pas forcément posé comme vous sur le dispositif auquel j'ai contribué ces dernières années. Si je reprends, j'ai lu ça avec vraiment grand plaisir. C'est extrêmement divers, c'est une grande richesse. Les cas sont densément traités, c'est pas long, il n'y a pas de graisse inutile, enfin, on ne perd pas son temps. J'ai lu ça entièrement, de la première à la dernière page, avec un très grand plaisir. Une série de remarques. Ceci étant dit, on rentre directement dans le vif du sujet. Hein, voilà. Donc, j'ai un certain malaise. Voilà, et je ne sais pas exactement comment le formuler. Je vais essayer de le formuler, puis on verra si ça a un sens ou pas. Et c'est symptomatique, y compris de tous les mots que vous avez employés, et de ceux, et le titre, etc., etc. Il y a un ensemble de termes qui circulent, ce que tu as évoqué, entre transnational, global, globalisation, mondial, mondialisation, international, internationalisation, intergouvernementale, etc., etc. Ceci est employé de façon à peu près interchangeable. Dans les phrases, on passe de l'un à l'autre. Tout ça n'est pas grave, quoi. On sent que ce n'est pas grave. Et c'est ce machin-là qu'on doit être en train d'essayer de repérer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ce n'est pas grave. Voilà. C'est un peu ça mon inquiétude. Je veux dire que, par exemple, si vous regardez des institutions, si vous regardez à partir d'usage des institutions, moi je sais que l'OCDE ne parle pas comme la Banque mondiale, ne parle pas comme le programme UNEP, ne parle pas comme les institutions des Nations Unies. Voilà, les mots ne sont pas innocents. Suivant les institutions, ça n'a pas les mêmes significations. Et puis, d'autre part, avec le temps, ça change. C'est-à-dire que, par exemple, dans ton article Soraya, qui est absolument fascinant, sur la mise en place des infrastructures de monitoring dans les années 70, et tu dis, ça, voilà, ça y est, c'est global. J'en sais rien, c'est un global, quoi. C'est un global. C'est certain que c'est un global, je n'en doute pas. Mais ça n'a rien à voir avec le global de 1990. C'est un tout autre global. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui serait... quelque chose qui deviendrait en quelque sorte toujours plus quelque chose, plus transnational, plus global. Et on irait dans un processus qui, au fond, augmenterait. Et je me demande si, à terme, la bonne question, c'est de dire ça augmente, c'est de plus en plus, ou c'est là-dedans de définir des régimes différents, des régimes profondément différents de ce que signifient ces mots et ce qu'ils recouvrent. Et voilà, mon premier point, il tournerait un peu autour de ça. Ça ne me satisfait pas que ça n'arrête pas de globaliser. Je m'en fous un peu, à vrai dire. C'est pas ça le point. Le point, ça va être de dire qu'est-ce que c'est la nature des formes de globalisation qui existent en 70 dans des institutions différentes et qui vont être différentes, et qu'est-ce que ça signifie dans les années 90, par exemple, où moi, je pense qu'on est vraiment dans deux régimes profondément différents.
Bon, ça, c'était le premier point. L'autre où j'ai un malaise aussi, donc c'est des vraies questions, hein, je n'ai pas la réponse, vous comprenez bien. L'autre qui tourne et qui, pour moi, me trouble énormément, c'est que vous vivez naturellement avec l'usage du mot « risque ». Et il n'y a pas de problème. Risque, vous avez tous l'air de savoir ce que c'est. C'est évident. C'est une catégorie fondatrice de votre définition des objets. Or, moi, qui ne viens pas de la même culture que vous, moi, je rencontre dans mes institutions, on gère à des moments donnés des risques. Mais comme tu l'as dit, comme le dit très, très bien Nathalie dans son article, bon, ben, peut-être que la gestion des risques, c'est avant tout de la normalisation de marché. Mais alors, si ça a surtout comme fonction de normaliser des marchés, de permettre les échanges internationaux, ce que fait l'OCDE, par exemple, c'est très net dans les années 70. Eh bien, si c'est ça, alors on ne va pas parler de risque comme ça. Enfin, je veux dire, pourquoi on ne parle pas de toute la vaste gamme d'autres outils? Ce n'est pas que par les risques qu'on normalise les marchés. Donc, là, je ne sais pas non plus très bien comment le dire, mais, c'est-à-dire, j'écrivais comme ça à l'état spontané, inconscient, parce que je ne suis pas encore bien réveillé, moi, je ne suis pas du matin. Ce que disait Soraya, alors elle peut dire les risques sanitaires et environnementaux, c'est l'objet, il parle des risques sanitaires, puis après elle peut dire c'est la gestion des risques sanitaires et environnementaux, c'est peut-être pas la même chose, je veux dire, je sais rien, moi c'est pas évident, quoi, je veux dire, ça remplit pas les mêmes fonctions, mais après elle peut dire régulation des risques, et puis mondialisation des risques, et je suis pas sûr que, je sais pas bien quel est l'objet finalement, il m'échappe. Parce que je suis relativement convaincu que s'il s'agit bien de repérer des choses qu'on pourrait appeler dans le langage le plus trivial un risque, un danger, quelque chose comme ça, il y a d'autres choses beaucoup plus nombreuses qui se jouent autour de ça. Et c'est vrai que moi qui regarde ces objets d'une certaine façon, mais pas particulièrement par le risque, c'est celui que je regarde le moins, l'aspect que je regarde le moins, je me dis, mais pourquoi ils ont l'air obsédés par le risque pour parler de tout ça, alors qu'il y a des tas d'autres choses qu'il faudrait en dire. Et je ne sais pas non plus exactement quoi en dire, mais arrivant un peu d'une autre planète, ce sont ces deux points-là qui font que quand je revois les histoires, quand je lis l'article de Anne, l'article de David, vos articles à vous, quand je lis les articles, alors l'histoire qui est racontée, je comprends bien de quoi il s'agit. Mais dessus circule une nappe spontanée d'interprétation qui est un truc des risques transnationaux. Et je ne sais pas si c'est ça qui est intéressant à en dire dans la plupart des cas. C'est le métadiscours, pas ce que vous analysez, qui est absolument passionnant, je vais y revenir, mais cette sorte de métadiscours. Ce qui fait que, pour moi, si je le dis autrement, ce qui m'intéresserait qu'on repart, c'est pas tant une histoire transnationale et globale des risques, mais de repérer une histoire des mutations, des formes de régulation, des régimes, des situations qu'on rencontre, et de comment elles sont, comment elles se déploient dans des moments différents. Moi, j'aurais tendance à être... Alors, là, il y a des choses intéressantes. Il y a plein de choses intéressantes hein, dans le bouquin. Alors, moi, ça m'a fasciné, par exemple... L'article de David, la vie de Mortain. Alors, je prends cet article, et alors là, je le lis, et je me dis, ah, ça, c'est très extrêmement intéressant. Lui, il parle manifestement des années 90. Alors, c'est ça, je connais bien les années 90. Donc, je me dis, ah, comme par hasard, ça glisse, il est en train de nous dire, se met en place, en fait, une autre structure qui s'installe, qui, de fait, prend le pouvoir, qui, de fait, devient la norme, qui, de fait, devient celle qui gère et qui en élimine une autre. Et je me dis, mais attendez, si je suis dans les années... Et alors, elle est constituée de qui? De quelques agences, les Japonais, les Américains, les Européens, ça ne fait pas beaucoup. Et puis, des grandes compagnies multinationales. Alors, je me dis, mais ça, c'est une forme de régulation. C'est peut-être pas simplement, il ne faut pas peut-être mettre ça dans la catégorie, vous avez là un processus de transnationalisation des risques. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que représente cette forme-là de régulation et celle qu'elle remplace, qui est basée sur des États... les Nations Unies est peut-être la définition beaucoup plus compliquée de ce qu'il est intéressant de regarder et comment le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? L'article d'Emmanuel, absolument passionnant cet article. Lui aussi, il se trouve dans les années 90, et donc paf, il rencontre ce qui m'intéresse, et il montre bien, et il dit quelque chose, par exemple, extrêmement intéressant, évidemment, très vrai, très juste, très pertinent, et qui ça m'a fait tilt, je dis, mais oui, bien sûr, je comprends bien de quoi il s'agit. Les États sont en régression, ils ont beaucoup moins les pouvoirs de faire, il y a bien effectivement une forme de globalisation, cette fois,
j'emploie le terme ici, descriptive. Les choses circulent beaucoup plus. Finalement, les régulations nationales s'étant réduites, il faut régler ça à des échelles différentes. C'est une explosion des productions, explosion des circulations. C'est tout à fait c'est ce que dit l'OCDE en 90. Le rapport central de l'OCDE de 90 dit, écoutez, ça fait 20 ans qu'on est en train de légiférer sur les produits. Peut-être qu'il y a l'emploi à risque, un peu, mais pas beaucoup. L'OCDE, ce n'est pas son vocabulaire non plus. Mais on est en train de légiférer sur l'environnement, on a fait des lois, on a tout fait. Ça ne sert à rien. L'OCDE dit, ça fait 20 ans qu'on fait des trucs, ça ne sert à rien. Et pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que la globalisation, ça explose tellement en termes de production que de toute façon, les effets, quoi qu'on régularise, ils explosent eux aussi de façon exponentielle. Donc, quoi qu'on fasse, on a perdu. Alors, c'est très intéressant. Et quelle est la... Alors, je ne dis pas que c'est vrai, moi, je vous raconte ce que dit l'OCDE. Mais qu'est-ce qu'elle tire comme conclusion ? Elle dit, bon, ben, écoutez, on n'a pas 36 solutions. En fait, les États, ils ne peuvent pas gérer ça. Intéressant. Ils ne peuvent pas. D'accord ? Et en fait, les seuls qui peuvent les gérer, c'est les industriels. Pourquoi c'est les industriels ? Parce que c'est l'amont. Et si à l'amont, dès le début, ils se comportent bien, alors on va résoudre tous les problèmes. Et face à l'exponentialité des produits et des pollutions, on n'a pas d'alternative. Donc, il faut remettre ça dans les mains des industriels. D'accord ? C'est, alors après, il va falloir gérer ça avec la société civile. Ça, je vous passe le détail de ce qui est autour. Mais voilà. Et donc, effectivement, comment on va faire ? Eh bien, il va falloir faire beaucoup de comités scientifiques. Parce que, et c'est ce que tu dis, il faut bien trouver une instance de légitimation. Alors, on ne peut pas dire quand même que ça doit être les multinationales parce que ça ne ferait pas bien. Donc, on va dire que c'est la science. D'accord ? Alors, ben, la science... Je veux dire, alors là, je vous renvoie à ces excellents 3 volumes qui sont traînés là. C'est que, la science, je veux dire, on sait bien, elle est bien située. C'est toujours des individus très précis. Et puis, comme par hasard, effectivement, cette science, elle est construite dans des réseaux internationaux. Elle est construite avec des individus qui ont évidemment une préoccupation économique. Ça, on nous a expliqué dans les années 70. C'est bien ce que fait l'OCDE en 1970. Elle retire les questions d'environnement aux scientifiques et elle les donne à la direction économique. Parce que l'environnement est une question économique. C'est une question de décision. Si vous décidez que l'environnement est une question économique, d'abord, avec des problèmes de risque qu'il va falloir gérer, de santé, mais si d'abord c'est une affaire économique, voilà, c'est... Vous comprenez le... C'est ça qui me... Donc, moi, je vois bien, on a une science qui, de fait... Ben, comme dans l'exemple de David, se retrouve via les agences, directement en négociation avec les industriels, et à ce moment-là, il n'y a que dans l'étude concrète des décisions qu'on va comprendre ce qui est en train de se faire. On est en train de régler des risques, on est en train de faire quoi ? Oui ? Donc moi, il y a autre chose qui est extrêmement fascinant, extrêmement fascinant. Si vous prenez, dans les années 90, la littérature, il y a un truc qui explose. J'étais dans la bibliothèque de l'Institut de... À Genève, et donc très belle bibliothèque, immense, etc. Et j'ai passé 3 jours simplement à regarder les rayonnages comme ça. Il y a quelque chose de sidérant. Dans les années 90, cette bibliothèque, vous avez des dizaines d'ouvrages qui portent en anglais sur valuation. L'évaluation. Pas évaluation. La valorisation. Je ne sais pas comment dire valuation. Valuation, on va dire. Valuation. Alors de quoi s'agit-il ? Ce n'est pas un bon mot en français, ça ne doit pas. Ce n'est pas grave. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que nous devons, puisque ça va passer par des formes de régulation complètement différentes, okay, il va falloir tout valuer sans arrêt. Alors, qui c'est qui va valuer ? Entre guillemets, des scientifiques, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques partout. Et cette valuation, elle a comme fonction d'organiser les marchés, c'est évident, de régler les relations internationales du commerce, etc. Tout ça se fait en contexte de la fin du GATT. Je vous rappelle, au cas où vous auriez oublié, que la fin des négociations du GATT, c'est 95, la création de l'OMC. Donc, voilà. Vous voyez, ce que je veux dire, mon point, c'est que j'aurais tendance à vous dire qu'est-ce que vous faites de ce vocabulaire transnational, tout ça, et de cette... Est-ce que je me trompe en disant que dans vos articles, dans les analyses concrètes, c'est extrêmement puissant parce que là, les auteurs, ils sont en train de... Ils discutent un moment, voilà. Mais, par exemple, votre introduction ne propose pas une lecture historique. C'est intéressant. Elle ne dit pas... Eh bien, nous, ce qu'on s'est aperçu en faisant ça, c'est que les modes de la régulation du risque en 70, c'est pas du tout la même chose qu'en 90, c'est pas du tout la même chose qu'en 2005. Et voilà comment s'organisent ces moments, ce qui les structure fondamentalement. Ça, c'est pour moi, j'aimerais vous entendre
Un peu là-dessus, comme ça. Quoi. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps. On peut peut-être en rester. Vous voyez mon sentiment. J'exprimais. Vraiment, honnêtement, j'ai lu tout ça avec un très grand intérêt. J'ai trouvé ça très bon, très fort. J'ai beaucoup appris. Ça m'a aidé à reformuler des choses. Et d'une certaine façon, je trouve que circule au milieu de ces textes et dans les intertextes, toute une série de mots dont je ne suis pas sûr que ce sont les plus pertinents. Et je voudrais vous entendre. Et qui sont ceux qu'on a sur les couvertures, par exemple. Hein, voilà, c'est... Voilà comment je... Merci donc pour ces deux commentaires, l'un plus précis sur les outils Rich et puis l'autre sur l'ouvrage lui-même. Avant de vous donner, peut-être, on peut peut-être faire un tour de questions en provenance de la salle. Ce sera peut-être plus... oui, voilà. En fait, je crois, Samuel Bliman, professeur émérite Marne-la-Vallée, physicien au départ. Une première question, lorsque vous voulez introduire des réglementations de limitation des produits chimiques, il faut tout de même savoir qu'il y a un nombre de variétés de produits chimiques qui n'ont pas été couverts par des brevets et qui restent propriétés industrielles de la société qui a mis au point ce produit. Est-ce que vous avez une modalité d'intervention sur les produits non, qui n'ont pas été couverts par des brevets? Un exemple commun d'une banalité banale, Coca-Cola. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans cette daube. Deuxième situation, que faites-vous des instances qui se mettent en place auprès de grands groupes industriels et qui contestent la validité des propositions d'interdiction. En particulier, on va citer le cas du tabac, qui s'est entouré dans le monde entier de groupes d'experts qui contestent tout ce qui concerne la nocivité du tabac. Ce groupe a été mis en place avec, à sa tête, un prix Nobel de physique, il y a déjà de nombreuses années. Comment répondez-vous à cela, sachant par ailleurs que les groupes de lobbying s'appuient aussi sur les propos de ces groupes qui instillent systématiquement le doute sur la nocivité? Alors, j'ai pris l'exemple du tabac, mais il y a d'autres produits pour lesquels, par exemple, on connaît la nocivité de l'amiante. Ça fait plus de 100 ans qu'on se bat sur ce sujet. A-t-on avancé définitivement, malgré les réglementations? Oui, juste un petit mot, peut-être pour aider les auteurs, parce que les remarques de Dominique sont tout à fait justes, mais le problème est gigantesque. Et moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous disiez, mais le monde vers lequel on va, qui passe aussi par la révélation de tous ces risques, est extrêmement complexe. Vous avez rappelé certaines de ces choses. Je vais simplement dire, puisque c'est d'actualité, je vais rappeler Volkswagen, c'est-à-dire par rapport aux entreprises qui se sont fait les profils les plus certains, vous avez énormément donc de triches, de fautes. Il y a énormément de controverses. Et j'ai trouvé que... moi, il y a un acteur que j'attends un peu là-dedans, c'est une certaine montée de ce qui a d'ailleurs pointé Volkswagen, c'est-à-dire les sociétés civiles, les associations, ce monde associatif qui doit être partie prenante dans cette régulation, qui doit monter en puissance, parce que y a un terme que je suis économiste, hein, Pascal Petit économiste, il y a un terme que je voudrais soumettre à votre discussion, c'est pas un retrait de l'État en tant que tel. Il n'est plus partie prenante, c'est plus lui qui produit du chimique dans des entreprises nationales, mais il y a ce que les Anglais appellent, et je crois qu'il faut le creuser, le regulatory state. Et le regulatory state n'est pas que... C'est un État qui conserve pas mal d'importance, mais qui joue les arbitres. Joue les arbitres entre ce que lui disent les experts et les pressions des lobbying. La montée des lobbying est aussi quelque chose de tout à fait importante. Et une des grandes questions dans lesquelles on est actuellement, c'est de savoir le niveau de régulation, un petit peu, dont parlait Dominique.
Je crois qu'un des fondements d'espace européen, c'est d'arriver à avoir des espaces de régulation crédibles pour s'opposer dans ce monde complexe aux autres grandes entreprises. Il y a une justification de l'européanisation qui peut venir de là. Rich est extrêmement intéressant à voir, mais j'aurais aimé voir aussi toutes les plus de bagarres quoi, autour de tout ça. Comment ça se passe ? Il y a effectivement des enjeux considérables. Et j'ajouterais à ça un dernier chose que moi j'ai été extrêmement impressionné par un séminaire qu'avait organisé l'IFRIS qui s'appelait la science à grande échelle. La science à grande échelle qui montrait l'immensité des pollutions. Vous parliez vous aussi avec des chiffres absolument fantastiques. Il y a un problème de gestion de tout cela. Et on a beau avoir des big data, gérer ces banques-là, c'est extrêmement complexe. À ceci s'ajoute quelque chose que vous n'avez pas souligné, c'est que les risques sont individualisés. Et on va de plus en plus être amené à prendre conscience qu'il y a des populations qui sont beaucoup plus exposées que d'autres à certaines substances chimiques. Donc on va vers quelque chose où, si vous voulez, le mouvement associatif va se nourrir du fait que je vais aller au supermarché avec mon téléphone intelligent pour regarder si, en fonction de mon profil génétique, je peux prendre tel ou tel truc. Est-ce que le monde marchand peut supporter une telle régulation des marchés ? L'organisation des marchés devient presque trop complexe. On a un débat à Bruxelles, dans cet espace qui peut-être peut défendre une certaine régulation de ces marchés qui sont en accord avec ces principes de santé publique, qui devient extrêmement complexe. Vous avez d'un côté tout un monde qui lutte contre la réglementation dite abusive, et d'un autre côté, vous avez des besoins de réglementation qui deviennent de plus en plus évidents. Ce qu'amène le scientifique sur le tapis, c'est justement cette nécessité d'avoir de plus en plus de réglementation. Et là, on a une espèce de contradiction qui est un objet de bagarre que vous connaissez. Et moi, je sais un peu comme ça que je disais la demande de Dominique sur faire monter ces régulations. Ce sont peut-être des lieux centraux de ces bagarres qui vont peut-être se définir au sein des grands espaces. Par exemple, ce qui vient de se passer sur les perturbateurs endocriniens et les discussions qu'on a eues à la FAO, elles nous redonnent des scénarios où vous avez Europe qui va s'allier un peu à la Chine pour éviter que les Américains nous imposent trop de ces perturbateurs. Vous voyez, vous avez des grandes bagarres, une géographie tout à fait intéressante. Voilà. Et merci pour les travaux quant à cet ouvrage majeur qui circule là, bien sûr. Merci beaucoup. J'en profite pour rajouter un petit mot sur l'évaluation économique, l'évaluation. Hier, j'ai eu l'exemple dans un débat sur l'évaluation du développement économique, donc, qui en ce moment est en pleine révolution, puisque les organismes internationaux ont décidé qu'il va falloir maintenant mesurer quels sont les effets, les impacts du développement, comme on fait pour une substance. Et donc, c'est pour ça que ça revient exactement de la même façon. Et le débat, c'était entre une économiste de l'IRD et un socio-économiste brésilien qui disait « Mais le prix de la tonne de CO2, par exemple, au sujet de l'Amazonie, on sait, ça a été le résultat de... On sait combien il est exactement. Ça a été le résultat d'experts, de plusieurs travaux, d'une technicité très forte. » Et l'économiste de l'IRD, qui avait étudié ça depuis une vingtaine d'années, lui disait « Mais non, c'est juste le produit d'un rapport de force. » Et c'était un discours inacceptable pour le collègue brésilien qui pourtant était un acteur dans ce rapport de force et un acteur faible dans le rapport de force. Et je me demande si le fait de techniciser les lieux de débat n'est pas une façon d'éliminer les acteurs et donc l'internationalisation, la mondialisation, c'est peut-être ça qui dérange Dominique Pest, est en fait une légitimation de ce fait qu'on... On enlève le pouvoir de négociation aux acteurs qui sont concernés par la pollution, machin, la substance bidule, la maladie, un tel. Quelques mots, je ne pense pas que je vais répondre à l'ensemble des objections de Dominique, parce que pour un certain nombre, je pense que c'est des discussions qu'on a eues avec Soraya et avec les différents auteurs. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que je pense que notre point de départ était vraiment cette question de la régulation des risques par nos travaux antérieurs, les uns et les autres, pour la majorité d'entre nous, un certain nombre d'entre nous. Et c'est vrai qu'on est parti de ce questionnement autour de la régulation des risques,
risque et autour de justement de ces processus de transnationalisation. Et c'est vrai que après sont greffées alors des demandes d'éditeurs sur les titres, etc., qui nous a amené à revoir l'introduction, etc. Donc il y a eu tout un ensemble de choses qui ont rendu en effet cette question-là un peu souple. Alors je pense par contre pour répondre sur ce dont on peut répondre, je pense en effet on peut plaider coupable, enfin je ne sais pas si Soraya tu es d'accord avec moi, mais on peut plaider coupable qu'il manque une conclusion ou quelque chose qui irait un peu plus loin dans la systématisation d'un certain nombre de constantes qu'on peut observer. En même temps, je pense que ce qui résulte un peu de cet ouvrage, c'est que on n'a sans doute pas encore les éléments, je pense, les éléments suffisants. J'ai l'impression que on a mis des coups de projecteur qui font qu'en effet, on a pointé la complexité. C'est-à-dire que, en effet, ce qui se passe dans les années 70, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les années 90, mais même dans les années 70, ce n'est pas la même chose qui se passe dans le domaine de la gestion des risques professionnels, dans le domaine de la gestion du risque infectieux, dans le domaine du médicament, etc. Donc, je pense qu'on est plutôt au stade où on a un peu ouvert la boîte de Pandore, où je pense que, il me semble que l'avancée qu'on propose, c'est de dire en effet que c'est pas un processus homogène, etc. Mais alors peut-être que nous aussi, on a été prisonniers de ce vocabulaire-là, de cette façon de problématiser les choses, qui fait qu'on est, dans notre introduction encore, prisonniers un peu de ça. Mais l'idée, c'était vraiment de revenir justement à la complexité et puis à la dimension politique de ces mouvements-là. C'est-à-dire remettre du rapport de force, remettre des rapports de domination, remettre des gagnants et des perdants, remettre de l'historicité dans ce qui paraissait justement un peu anhistorique. Mais c'est vrai je ne sais pas si Soraya te confirmera, mais c'est vrai que je pense que cet ouvrage-là, il est un petit peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on a remis de la complexité, on a remis de l'histoire, on a remis du politique, on a remis du conflit, etc. Et en même temps, je pense qu'on n'a pas complètement été au bout de cette reproblématisation, justement, plus historique, plus politique, plus complexe aussi de ces processus de transnationalisation. Donc en effet, je pense qu'il y a maintenant, une fois qu'on a ouvert ce chantier et dressé un certain nombre de perspectives, je pense qu'en effet, il faut sans doute reprendre. Alors peut-être justement qu'il faudrait reprendre un moment, alors c'est ce qu'avait fait cet ouvrage collectif sur les années 70 spécifiquement. Alors soit il faut reprendre un moment spécifique et voir, s'interroger sur ce qui se passe de spécifique dans les années 90, ce qui se passe de spécifique dans les années 70, ou reprendre des domaines d'intervention autour des risques professionnels, autour du médicament. Mais c'est vrai que je pense que la conclusion de cet ouvrage, c'est qu'on ne peut pas le faire à cette échelle-là de l'ensemble des risques et de l'ensemble des processus de transnationalisation. De fait, il y avait à la fois beaucoup de questions soulevées dans les remarques de Dominique et puis dans l'intervention de la salle. Je pense qu'on avait très clairement conscience à la fin de l'ouvrage qu'on n'était pas allé au bout de l'exercice. C'est un projet collectif qui a donné lieu à beaucoup de discussions sur les termes, la question qu'est-ce que c'est la transnationalisation, qu'est-ce que c'est la globalisation, qu'est-ce que c'est la mondialisation. Et je pense que plusieurs d'entre nous, s'intéressant suffisamment à ces questions-là, voient très bien la dimension problématique du changement de vocabulaire qui a été opéré, mais encore une fois, on n'est pas tout à fait responsable. C'est vraiment, là, il y a eu une question d'éditeur. Nous sommes vraiment partis, je pense, au départ, de la question de la transnationalisation. C'est-à-dire, ce qui nous intéressait, c'était pas tellement le mouvement de globalisation ou de mondialisation des risques, mais comment, quand on quitte les frontières nationales, la question des problèmes liés aux effets délétères des questions sanitaires et environnementales était traitée. Et nous adoptions volontiers, disons, le vocabulaire transnational, venant de l'histoire transnationale notamment, pour étudier à la fois l'Europe, les instances internationales, des instances comme l'OCDE, c'est-à-dire du moment qu'on n'était plus
dans l'espace national. Mais il faut croire que cette pression, disons, des travaux sur la globalisation, la mondialisation, fait que c'est très très difficile en termes d'édition de rester à ce niveau-là. Parce que d'un côté, on nous a demandé « Ah, mais c'est chouette parce que c'est le global », et de l'autre « Ah, mais le mot mondialisation, c'est mieux ». J'exagère, mais je n'exagère pas parce que ça a été ça. Donc ça, c'est une chose. Donc effectivement, ce débat théorique existe. Nous avons fait intervenir plusieurs collègues spécialistes de l'histoire transnationale, Pierre-Yves Saunier, Yves Cohen, de collègues qui travaillent justement sur des questions plus de politique publique ou plus de relations internationales pour essayer de différencier ça. Mais je ne sais pas ce qu'on fera de cette discussion-là. Je pense qu'elle n'est pas au cœur du projet. Ce qui était au cœur du projet, c'était vraiment de prendre, disons, au premier degré presque, les risques sanitaires environnementaux, qui est une catégorie d'acteurs. Donc il y a un certain nombre d'instances, d'agences, de comités qui s'occupent des risques sanitaires environnementaux. Et autant qu'historien, c'est vrai que notre première réaction, c'est toujours de se demander, mais bon, ça c'est arrivé à un moment donné, qu'en est-il, comment c'est venu, etc. Mais il se trouve que le groupe n'était pas composé en majorité d'historiens, c'est-à-dire nous avons des politistes, des sociologues, donc ce qui nous préoccupé, c'était comment construire des problématiques communes qui puissent parler aux uns et aux autres, et vraiment en s'attachant aux cas concrets. C'est-à-dire qu'on se méfiait un peu des conclusions trop hâtives. Donc à la suite de tout ce travail, bien entendu, on arrive aujourd'hui avec un certain nombre d'analyses, et la première, j'ai exactement la même réaction que toi, c'est de dire, bon, on a un certain nombre de données. Si on regardait les transformations des régimes de régulation, comment est-ce qu'on peut les caractériser entre les années 70, 90 et aujourd'hui, parce que moi je suis convaincue que justement on n'est pas dans le même régime que les années 90, j'y reviendrai sur la question des industriels, et donc qu'est-ce qui se transforme. Mais là, on a deux possibilités. Soit on reste vraiment attaché à cette question des risques sanitaires environnementaux, avec on sait très bien que ce vocabulaire qualifie des choses très très différentes, que derrière l'adoption du vocabulaire risque, c'est quand même une transformation aussi historique. Qualifier les problèmes de risque correspond aussi à un changement à partir des années 80 qui dit quelque chose sur le recul de l'état social, sur le fait qu'on nomme ces problèmes-là risques, mais on nomme beaucoup de choses différentes risques. Et aujourd'hui, si on prend le cas des risques terroristes, où on est dans la question sécuritaire, où on a une vraie convergence aujourd'hui entre la gestion des risques sanitaires environnementaux et les risques terroristes dans les entreprises. Donc si on voulait analyser ça, je veux dire, il nous faudrait encore d'autres outils, on aborderait encore d'autres champs, parce que simplement les risques, c'est un opérateur d'analyse qui est intéressant. Mais quand on le prend, on est face vraiment à une masse de choses à analyser. Il faudrait peut-être un programme collectif avec plus de chercheurs pour essayer de tirer des tendances plus générales. Donc juste un mot sur justement les régimes et ce qui se transforme. Je pense que c'est une question qui intéresse plusieurs chercheurs parmi nous, pour essayer de comprendre ces transformations. Est-ce qu'on assiste à une régression de l'État? Est-ce qu'on assiste à une transformation du rôle de l'État? Parce que, j'ai pas besoin de dire, au XIXe siècle, l'attitude de l'État, je veux dire, l'État était présent dans les régulations, mais le poids des industriels était très très important. Donc, de fait, un vrai programme quasiment devrait inclure partir de la fin du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui, si on voulait vraiment proposer une analyse des transformations. Donc, cette question de l'État et ce qui change entre l'État national et les rapports internationaux, parce que ce n'est pas que les États et les industriels, c'est aussi tous les États ne sont pas égaux à l'échelle internationale, et les discussions sur TAFTA autour d'un certain nombre de produits, notamment les OGM, nous le montrent. Donc je ne sais pas, vu du national, la question de l'État et de son rôle est importante, mais quand on se place à un autre niveau, on pourrait prendre d'autres éléments de l'analyse. Ça, c'est un niveau de l'analyse, c'est à savoir
qu'est-ce qu'on va privilégier. Mais ces transformations se poursuivent. Et le mot individualisation a été prononcé, parce que ce qui accompagne le mouvement du risque, effectivement, cette individualisation qu'on retrouve reprise par les agences de régulation, y compris sur les risques collectifs, que ce soit à travers l'acteur agissant, mais aussi à travers l'étude des comportements. En épidémiologie, on est de plus en plus sollicité, autant que sociologue, pour dire « vous ne voulez pas participer à nos programmes pour voir le comportement individuel ». Mais déjà, ce mouvement-là est intéressant à analyser, parce que qu'est-ce qu'on construit derrière ça ? Ben, on construit une société des individus. On n'est pas dans des sociétés... C'est-à-dire, au-delà de la gestion, c'est ce qui est derrière, ce n'est pas des collectifs qu'on construit. Se placer à ce niveau-là, de dire que nos sociétés, ce sont des sociétés d'individus agissants, est une idée que le risque a portée depuis longtemps. Moi, dans mes travaux sur le risque, j'avais vraiment pointé cet élément-là. Donc, c'est vraiment le risque, finalement, et là, on se place à un autre niveau d'analyse, est un opérateur de transformation de nos catégories politiques qui peut avoir des effets réels sur la manière dont la critique s'organise, dans l'opposition, un certain nombre de groupes s'organisent. Donc, on revient aussi là à un niveau d'analyse politique, de fait, devant lequel parfois on se sent un peu démuni. Simplement, j'avais dit que c'était des questions là, qui étaient posées par la salle auxquelles je peux apporter des réponses. Je serais bien incapable de rentrer dans une discussion sur le bouquin et qui soit sur les aspects sociologiques, etc. Donc, moi, je peux me contenter aujourd'hui de répondre à des questions qui sont un peu plus précises dans mon champ, on va dire, de compétences sur les produits non couverts par les brevets, etc. Ce que vous posiez, bon. Voilà, sur les produits non couverts par les brevets ou comment ça peut être géré par des réglementations, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un champ d'application sur des réglementations et donc couvert ou non par des brevets, si tant est que la substance est mise sur le marché, elle sera effectivement évaluée, en tout cas prise en compte par cette réglementation. Donc c'est pas une histoire de brevet ou pas de brevet, j'allais dire, c'est vraiment une histoire de mise sur le marché et de production au-delà des tonnages qui sont concernés par cette réglementation. Quant à maintenant savoir ce qu'on fait par rapport à des instances qui instillent le doute en produisant des informations scientifiques qui peuvent justement mettre en doute un certain nombre de conclusions. Vous y référence à l'intensivité du tabac ou des groupes d'experts qui produisent des données pour instiller le doute. Oui, enfin, c'est de bonne guerre, j'allais dire. Après, globalement, il y a une organisation des pouvoirs publics et de l'expertise publique qui fait que y a aussi des contre-expertises qui s'organisent et qui permettent de prendre un certain nombre de décisions qui sont basées essentiellement sur des incertitudes. Et quant à la question sur l'amiante ou d'autres types de produits, est-ce qu'on a avancé ? Je dirais globalement, au-delà après de la question de l'identification du lien de cause à effet entre les pathologies et l'exposition à l'amiante, bon, maintenant l'amiante est interdite, je dirais. C'est plus trop la mise sur le marché qui pose problème, c'est plutôt la gestion, on va dire, des produits qui sont sur le marché, le retrait des produits amiantés, et puis des questions aussi d'indemnisation, notamment de professionnels qui ont été exposés dans le cadre de leur activité. Donc voilà, moi, ce que je pouvais apporter comme réponse précise aux questions qui ont été posées par la salle, voilà. Non, je voulais simplement, ce sera extrêmement bref, c'est que nous oscillons, et je pense que c'est une chose que nous devons faire. Ça fait partie de nos tâches d'osciller entre la manifestation de la complexité extrêmement réelle, profonde et quasi infinie des situations, et la fabrication d'éléments plus idéal typiques qui nous permettent de saisir des régimes, des moments, etc. Je pense qu'on partage ça. On est, suivant les moments, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. C'est la vie, on ne peut pas échapper à cette tension-là. L'autre chose que je veux dire, c'est que
je suis en dialogue avec, évidemment Soraya, ça c'est bien connu, mais je vous ai lu régulièrement, je lis Monsieur de Mortain régulièrement, je lis Anne Rasmussen. C'est toujours extrêmement utile pour moi, même si d'un seul coup ça me surprend. Tiens, je lis ça. J'entends bien ce que vous dites, je pourrais dire ce que vous dites, je n'ai pas d'état d'âme, je n'aurais pas de commentaire à faire. Mes questions étaient vraiment des. Plus un sentiment qu'autre chose. Et puis, je terminerai en disant, moi, j'ai lu, mais vraiment honnêtement, j'ai lu tous les articles, et sur aucun, je me suis ennuyé, et sur aucun, j'ai sauté des pages parce que je commençais à trouver que, je suis, moi, très content d'avoir lu ce livre. Je sais ce que je vais garder, c'est clair, que les choses soient bien claires. Dans la reconnaissance des risques et de leur gestion, où situez-vous l'obsolescence des produits technologiques qui amènent en quelque sorte le monde de la production à renouveler à grande vitesse? Prenons par exemple, puisque nous sommes tous envahis par ce genre de produit, l'ordinateur. Pourquoi considère-t-on qu'à 5 ans il est obsolète? D'une part, et que d'autre part, il faut le détruire, tout au moins ce qui en reste. Or, la destruction, ce n'est pas ici, c'est loin. Source de pollution, source d'appauvrissement aussi, puisque un certain nombre de produits et de matières premières disparaissent. Est-ce que c'est pris en considération dans les risques qui sont non seulement technologiques, mais des risques sanitaires aussi? Peut-être juste un mot sur ça. Il y a à la fois la question de l'obsolescence et tout un ensemble de déchets qui sont produits par nos sociétés, je parle de déchets toxiques, mais qui s'accompagnent de tout un discours sur l'économie verte, le développement durable, la nécessité de recycler tout ça. Et donc cette question des risques liés à l'héritage des sociétés industrielles, mais aussi au développement de l'économie verte, est une question plus que pertinente. Moi, c'est mon nouveau objet de recherche, mais je vais passer la parole à Henri Bestos, parce que de fait, à l'ANSES, la question des risques dans ces domaines de recyclage, parce qu'on n'a pas le droit théoriquement d'envoyer les ordinateurs à l'international. Il y a une convention internationale qui interdit la circulation d'ensemble de déchets, mais on sait que c'est fait. Mais il y a toute une filière de recyclage et ces filières-là posent un certain nombre de questions aux experts. Donc dans 3-4 ans, on va pouvoir faire une réunion, mais je vais te repasser la parole. Oui, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une problématique qui a été identifiée comme extrêmement importante et qui fait partie, on va dire, de notre programme de travail pour l'année à venir. Donc on va développer une expertise autour des emplois verts, des filières de recyclage pour justement identifier un petit peu les problèmes qui se posent et notamment identifier deux ou trois filières, on va dire, représentatives de cette nouvelle tendance qui effectivement découle directement d'un certain nombre de normes environnementales sur l'obligation de recycler ou qui ont été mises en œuvre il y a un certain nombre d'années et qui maintenant tend à développer de plus en plus ces filières, d'exposer de plus en plus. Nous, ça va être vraiment tourné sur la filière, sur l'exposition professionnelle. C'est vraiment notre angle d'analyse. Et c'est une priorité française, mais également une priorité européenne. Donc on va développer un certain nombre de travaux sur ce point-là. Et dans l'identification et les réflexions qu'on a en ce moment sur les filières clés, notamment la filière électronique de recyclage des déchets électroniques pourrait nous intéresser beaucoup, même si, a priori, on sait qu'un certain nombre de ces déchets sont, on va dire, envoyés vers des pays tiers pour être recyclés. Donc, il y a une exportation, on va dire, du risque. Donc, ce qui nous intéresse, c'est à la fois de s'intéresser à ce type de filière, mais aussi à des filières qui sont bien ancrées, on va dire, au niveau européen, pour qu'on puisse faire un certain nombre de comparaisons. Bien, écoutez, nous allons arrêter ici pour ce débat qu'on peut poursuivre postérieurement. Je voudrais dire qu'il a été évoqué la possibilité de faire d'autres travaux sur ces questions. C'est l'objectif de l'IFRIS.
et nous allons poursuivre donc sur ces travaux qu'il faut effectivement multiplier à la vitesse de la multiplication des lieux où se négocie ce genre de choses. Premier point. Deuxième point, le 19 novembre aura lieu la prochaine matinale sur le pouvoir de la biodiversité, un ouvrage coordonné par Frédéric Thomas et Valérie Boisvert sur la biodiversité au niveau international et ses différentes prises en compte sur différents terrains, du Vietnam jusqu'au Brésil en passant par l'Europe. Voilà, et l'Afrique. Merci à tous et à bientôt.